Et yo tout le monde, c'est la Claims Team. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment obtenir Paume, le faire évoluer en Paumotte et puis en Paumarmotte. Donc tout d'abord, pour obtenir Paume, il suffira de vous rendre au tout début de l'aventure. Il spawn dans cette région-là, dans tout le sud. Il est assez rare par rapport aux Pokémon qui sont là. Donc là, je vous en ai trouvé un juste ici, vous voyez. Il apparaît dans cette zone. On est vraiment au tout début. On voit ici, par exemple, voilà la maison où on faisait les starters. Donc il suffit de lancer le combat contre lui. Et de le capturer. Je vous montre ensuite comment le faire évoluer en Paumotte. Donc ensuite, pour le faire évoluer, il suffira de le monter au niveau 18. Donc moi, je vais le faire via Super Bonbon. Donc je vais lui en donner 13 pour le faire monter directement au niveau 18 où il devrait évoluer. Donc gagner le point d'expérience, Paume monte au niveau 18, Paume apprend Vif Attaque, apprend Chargeur, nouvelle capacité. Donc on va le faire apprendre Chargeur à la place de Rugissement. Hop. Tac, tada. Il apprend Rugissement, enfin il bouge Rugissement, il apprend Chargeur, Frost Frimousse. Allez, on lui apprend Frost Frimousse à la place de Griffe. Allez, hop, Tada, Blue Griffe, apprend Frost Frimousse. Paume peut apprendre Tunnel. Allez, on apprend Tunnel. Bon, je crois que normalement vous n'êtes pas obligé d'apprendre toutes les capacités au Pokémon, mais bon. Et voilà, donc Paume évolue en Paumotte. Je vais vous mettre sur un angle beaucoup plus beau quand même. Il évolue en Paumotte au niveau 18. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment le faire évoluer en Paumarmotte, qui est quelque chose d'un peu plus original que monter par niveau. Donc. On va vous garder cette capacité, on va pas leur rendre une autre capacité. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est que vous mettez le métier en première place de votre équipe, donc comme vous voyez ici. Voilà. Et que vous le mettiez, faut le lancer en avant, et il va falloir faire 1000 pas avec, donc vous courez et il vous suit. Et quand vous aurez fait 1000 pas, eh bien il va évoluer, donc moi je vous retrouve quand j'ai fait les 1000 pas. Donc voilà, là je pense que j'ai fait les 1000 pas. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous faire les 1000 pas d'affilée. Donc faites bien attention à que votre Paumotte ne rentre pas dans la Pokéball, donc ne pas trop s'éloigner de lui. Je vous conseille de partir de votre maison et de venir ici et de faire l'aller-retour. Je pense que ça fait 1000 pas à peu près. Donc ensuite, une fois que vous aurez fait ça, il suffira donc d'aller dans votre sac, ici et faire évoluer votre. Enfin, donner un, faire passer un niveau à votre Paumotte. Donc c'est ce qu'on va faire. Votre Pokémon a gagné des points d'expérience, Paumotte monte niveau 21, et hop, c'est parti, petite animation, et Paumotte évolue en Paumarmotte. Donc, si vous ne l'avez pas fait évoluer, je vous conseille vraiment de le faire, parce que ce Pokémon a une capacité qui est juste incroyable, qui permet de réanimer un Pokémon de l'équipe qui était déjà KO. Donc ça, c'est vraiment, vraiment incroyable, donc je vous conseille vraiment de prendre ce Pokémon, il est vraiment très fort. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller voir tous les autres tutos qu'on a pu faire sur la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. On va essayer de vous spam au maximum pour avoir tous les tutos possibles et que ce soit facile pour vous d'avoir ce que vous voulez dans le jeu. En attendant, on se dit à très bientôt. Allez, salut les dresseurs.